Bonjour à tous les amis, c'est Pascal ou Monsieur Météo France, elle est pas belle la vie? Alors, aujourd'hui mercredi, avec le grand Toto de la Cametéo qui agit avec moi, et je le répète, sur les radios web, sur les radios FM, sur Facebook, sur YouTube, et aussi sur le groupe France Télévisions, on vous propose nos prévisions complètes et nationales pour demain, jeudi 25 juin. C'est à toi Thomas. Salut à toutes et à tous, salut Pascal. Ah, c'est ça qui faisait le bruit. J'ai cru que c'était autre chose. C'est toi qui faisais les bruits de gling-gling, là. Non, peut-être des mauvaises pensées. Je sais pas. Voici votre bulletin météo complet pour le jeudi 25 juin. Pardon, je suis désolé. Ou pas. Alors, en général, la Dordogne et la Gironde seront sous du soleil avec un très léger voile nuageux, mais par contre, prudence, dans l'après-midi, la soirée et le début de nuit suivante, des orages devraient se déclencher, remonter du Gers et du Lot-et-Garonne, et principalement en s'étirant vers la Dordogne. Faudra surveiller la situation de près, il pourrait y avoir quelques chutes de grêle. En ce qui concerne le vent, il sera faible à modéré de sud à sud-est et les températures le matin seront comprises entre 18 et 20 degrés. Waouh! Et l'après-midi entre 29 et 31 degrés. Légère baisse du mercure. Et passons à la tendance nationale qui s'annonce magnifique ce jeudi matin. Du plein soleil pour tout le monde. De ci, de là, un petit passage nuageux. Très légèrement voilé de soleil des côtes charentaises jusqu'à la barrière pyrénéenne. Et pour ce jeudi après-midi, eh bien voilà, ça va commencer à tourner un petit peu à l'orage pour le sud-ouest, avec en fin d'après-midi, prudence, des orages qui devraient se déclencher de la Vienne et de la Haute-Vienne en redescendant sur la barrière pyrénéenne. Localement, de bonnes chutes de grêle sont attendues. Alors, ça sera très localisé, attention. Mais localement, ça pourrait tomber assez fort, prudence. De part et d'autre, du soleil légèrement voilé, part et d'autre de cette perturbation orageuse, bien sûr. Avec, pourquoi pas, là aussi, un coup de tonnerre sur la Bretagne et le Cotentin. Averse orageuse, mais ça, c'est beaucoup plus fréquent en été sur le relief alpin. Du plein soleil des Hauts-de-France jusqu'au territoire de Belfort, ainsi que du Tarn à la côte méditerranéenne. Le mercure qui baisse un tout petit peu sur la moitié sud, 1 degré, je vous rassure, 1 à 2 degrés de moins en général, mais par contre qui remonte et qui continue de monter sur la moitié nord, localement sur la Touraine, 34-35 degrés attendu ce jeudi. Va falloir se mettre à l'ombre. Maintenant Pascal, s'il te plaît, quelle sera l'éphéméride, le lever, le coucher du soleil et le coefficient de marée pour ce jeudi? Eh bien, merci Thomas, je vais répondre à tous nos amis. Le lever du soleil, je commence à avoir le mail de mer là, aura lieu demain à 6h11, il se couchera à 21h49. Nous fêterons les Aliénor, les Éléonore, les Nora, les Prospères et les Salomon. Salomon est juif. Oh ! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin ? Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Le coefficient de marée sera de 76 et 74. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, place à vos contributions. Et puis rendez-vous demain jeudi, avec Thomas bien sûr. Allez hop, je sens que je vais aller chercher une poche pour vomir. Bye bye.